Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir encore choisis pour nous suivre, pour nous soutenir. Merci en tout cas pour le mail que vous ne cessez de nous envoyer, les j'aime que vous mettez sur nos vidéos, ça nous fait énormément plaisir. Avant de commencer, nous allons demander aussi pour tous ceux qui sont là pour la première fois, de ne manquez surtout pas de laisser un petit message. Si vous avez aimé, laissez un petit j'aime. Abonnez-vous vraiment parce que nous avons besoin de vos abonnements. Nous avons besoin de ce que nous puissions avoir une communion quotidienne avec vous. Si vous vous intéressez à l'actualité, aux analyses sur la Constitution, aux analyses sur notre pays, la République démocratique du Congo. Notre émission est souvent axée sur la Constitution, mais ici, pour vos besoins, pour les questions que vous ne cessez de nous envoyer, nous orientons les sujets en répondant justement à la majorité des questions qui nous viennent et qui nous arrivent dans notre rédaction lorsque nous préparons nos émissions. Nous ne nous éloignons pas de notre objectif de relier la Constitution avec l'actualité, mais il se fait que le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, on ne respecte plus les textes. Les textes ne sont plus respectés. La Constitution est devenue une feuille de chou. On est en train d'aller dans une situation où il y a un pays sans loi, où les gens se réveillent le matin, ce qu'ils disent devient des lois. Nous sommes allés répéter ce qui a été fait déjà dans la République de Kabila, la République de Mobutu, où les dictateurs commencent à prendre un peu de l'ampleur, on ne suit plus, il n'y a pas de profil pour désigner quelqu'un, ce sont les humeurs des gens, on veut déifier même le président de la République. Voilà la composition de notre émission. Mais aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Aujourd'hui, en principe, nous devions parler de ce que je vous ai dit, de l'état de siège, parce que nous alternons l'état de siège et la marche de notre pays. Mais il se fait que le sujet que vous aviez préféré à ce que nous puissions en parler, c'était encore une fois de plus sur la marche de notre pays. Et là, nous avions choisi entre le fédéralisme et la décentralisation. Pourquoi est-ce que le Congolais passe toujours à côté de la solution? Depuis 1960, vous allez suivre dans une petite édition, une petite émission, que nos politiciens, que nous disons que ce sont eux-là qui ont été là pendant l'indépendance, au courant de l'indépendance, ils ont posé les jalons, mais ils n'ont jamais respecté ce qu'ils estimaient que ce qui pouvait être un système salutaire pour notre pays. Voilà ce que nous allons en parler dans cette émission d'aujourd'hui. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, état de siège, voici la réplique du premier ministre Sama répondait à la Lucha, section de Beni. Des morts dans les prisons au Kasaï central et puis découvert de trois corps à Djougou. On va sur actualité.cd, évaluation état de siège, audition ce jeudi du ministre du budget par la commission de défense, sécurité et l'Assemblée nationale. CENI, les chefs religieux divisés, le FCC se cabre et l'AMUKA toujours aussi ferme. La crise s'enlise. Congo profond, ICCN suspendu préventivement l'ancien DG Cosma. Wilungula démissionne. Et puis, pollution des rivières Kasaï et Tchikapa, les chefs de chez Kouela.
Ouais, sur cette. Face au gréviste, Patrick Muyaya soutient qu'il est temps de procéder aux réformes. Depuis Kasaï Oriental, CCAA alerte sur une minerie de kérosène en Bujima. Et on va terminer sur Radio Okapi. Congo Central, IGF traduit en justice le gouverneur Matabwana pour détournement de fonds. Et puis, PME formé par la compétitivité en termes de qualité, de prix et d'innovation, le PME à Kinshasa. On se retrouve demain dans un nouveau numéro. Merci, au revoir. Voilà, mes chers amis, donc c'est un peu ça, quoi. Donc, vous aviez suivi l'actualité, toujours controversée, surtout la CENI, tout ça. Beaucoup de choses, beaucoup de cacophonies se passent pour le moment en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Parce qu'il y a une certaine cassure entre ce qui se passe à l'Est et ce qui se passe en Kinshasa. Nous avons des informations sur l'état de siège. Le Premier ministre venait de passer par là, en Ituri et puis au Nord Kivu. Vous avez vu qu'il y a deux discours. Le discours de l'espérance que le Premier ministre est en train de parler, qu'il y a une certaine des avancées. Mais le ministre provincial avec qui il a été s'est entretenu, alors, nous en parlerons de ça avec ça demain. Ne manquez surtout pas parce que nous aurons encore des révélations que nous allons vous révéler sur les reporters, ceux qui sont sur le lieu, les phares de ces, comment est-ce qu'ils sont en train de voir comment nous sommes infiltrés et ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment incompréhensible. On en parle ça avec demain dans l'émission où nous parlerons de l'état de siège. Alors, avant que nous puissions aller dans le vif de notre sujet, Bandeko, Boyo Kana Mubino Moko, Félix Tshisekedi na Ngunz Carly Bond. Ça, c'est aux premières heures de l'indépendance où les politiciens déjà savaient que c'est ça la réalité. Bango Moko Bamona qui est réalité en gros, tout qu'il y a un fédéralisme. Parce que l'unitarisme est un malam pour le Congo na biso. Ils se sont battus. Boyo Kana nous extrait. Comme ça, nous revenons et puis nous parlons de ce que nous pensons, ce qui se passe exactement aujourd'hui et notre vision pour la République démocratique du Congo. Le Shabat, c'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme. Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays et ici qui correspond tout à fait aux réalités aïroises parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance, c'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa, et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées, des agglomérations qui sont où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc., créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, Monsieur Bastin, si vous permettez. Bientôt, j'aimerais bien avoir l'avis de Monsieur Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes peu acquis aux idées fédérales. Je dis une phrase, Monsieur Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être Katangais. Je suis fier d'être Katangais et je suis fier d'être Zaïrois. Et vous êtes fier d'être Moulouba? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. Mais je dois vous ajouter immédiatement que j'ai peur des mots. Je me méfie des mots. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ces mots-là. Dans le cadre de notre fédéralisme, nous avons notre but, c'est quoi? C'est de rapprocher le plus possible le pouvoir du peuple. Et c'est comme ça que nous utilisons les mots de décentralisation. Le mot que les MPR nous a volé de notre lettre ouverte de 1980 et qu'il a en quelque sorte prostitué. Ce mot décentralisation sera le mot de la fin en l'occurrence. Il faut croire qu'au Zaïre aujourd'hui, il n'y a plus que les Lumumbistes peut-être pour croire encore à un État national et extrêmement centralisé. On se reverra peut-être, messieurs, dans quelques mois. Merci d'être là. Voilà. Boyoki déjà
nous tous, nous tendons vers un seul principe, remettre le pouvoir à la base. Ça, c'est ça le principe de base. Bandeko, tricherie, nyonso o ezako ya lelo. Biloko nyonso o tozo vivre lelo, eza conséquence à unitarisme, à outrance oyo, mboka na biso ekendaki. Je ne dis pas que ça n'a pas apporté le bienfait dans cet unitarisme dans lequel nous étions. Pendant 32 ans, le pays a connu une paix terrible. Donc, Batoubazala qui quand même, nous pouvons reconnaître ça que non. Biso tokolita ou tobotami. En tout cas, tout ça comme on a dit, papa n'a pas bandé Kozala, Moussale bandé Kozala, parce qu'il y avait un homme fort qui a réunifié le pays, qui a fait mater les petites rébellions qui étaient Katangé, tout ça, côté Amoba. Et nous étions dans un pays unitaire, contrôlé par un monsieur qui était le président de la République, Désaïre Mobutu Sese Seko. Bandeko, mais maintenant, Bola mwana otozako se reconnaître biso nyonso tuna mboka moko. Il fallait pas y continuer parce que à un certain moment, quand on dit que l'ouragan de l'histoire, lorsqu'elle vient, celui qui va à l'encontre tombe. C'est comme ça que Mobutu a tombé. Il a compris très donc en retard. Et ça là qui déjà mabé. Au lieu qu'il fallait que depuis qu'elle réunissait le Congo, il a fallu maintenant aller sur la reconstruction du Congo. La reconstruction, Bandeko, il faut que l'on ait administration à Malamu pour que tout le monde, pour que le peuple puisse se sentir que non, Aza n'a pas ou Anaé, n'a place où Azali. Bandeko, Oyo Tolobaka, que non, système où il y a fédéralisme. Eza malam ou la décentralisation ou la fédéralisme, eza nyonso, eza nabit moko, pona kof, komi sabatu, bazala ba propriétaire, bazala en contrôle ya babiloko na bango, ou place bazali. Ezinga ke zala wapi. Aujourd'hui nous disons ceci, si nous n'avons pas à construire ce pays, parce qu'on ne peut pas parler de la reconstruction, nous devons construire absolument ce pays. Eko sa le mande ngeni. Construction en boka oyo ekosale manengeni ekozala ko dissoudre parlement ou bien tato ko tika parlement to ko kozala ko tia bango en vacances na pesa ki awa nzela moko na lobi il faut batu na batu batna place bazali ba solo la bokomo na batu oyo Mobutu tango akoma ki ozabwa il a commencé à appeler les consultations populaires akoma parce que système où il y a unitarisme et comment qui n'a apogé Nango, ça ne pouvait plus en faire avancer le pays, surtout sur le plan économique. La corruption, comment qui est belé, il a fallu à ce que lorsque l'unité était là, c'est à ce moment-là qu'il fallait maintenant appeler, parce qu'il fallait appeler maintenant les conférences, les états de lieux, des provinces ou bien des territoires. Et on a coûté ça là qui vient puisque ma province c'est ça là qui n'a pas ce qui 11. Alors les provinces pouvaient maintenant se mettre ensemble pour que bah résoudre bah problème administratif d'abord. Aujourd'hui nous sommes en 26 provinces. Moi personnellement je ne condamne pas cette scission de notre pays, mais je crois que nous avions entamé un pas vers la décentralisation que Tshisekedi disait que la décentralisation, justement pour approcher l'administré aux administrateurs. Donc, il fallait que le peuple, Azalana, Akoyeba, Ndengenini, Mboka Oyo Tozo Tonga Yango, Mboka Oyo Kokiko Tonga Mana Mutumo Kote. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de partir dans ce sens-là. Yakolobakeno, président Nabiso, Yende Mokonzi. Nous revenons à ce que quand Mobutu disait « Tata Bomoko », non, ça ne peut plus s'appliquer aujourd'hui. Nous devons rendre compte au peuple congolais, le peuple à qui le pouvoir revient. Pouvoir primaire, ça peuple, ça batou nyo surtout. Batou bazwa misala, il faut tout ça la nyo surtout pour que le peuple a se retrouver. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals.
With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Que peuple a ça qu'on s'est retrouvé aujourd'hui? Non! Il y a une certaine caste à ma popia batou. C'est ainsi que vous allez voir que Bilokwana et comment qui s'y a tendance à la tribalisme. Pourquoi? Parce que le président qui voulait vraiment asseoir son pouvoir, token a tendance à au lieu à kokene la construction en boka, token si qu'on a tendance à protéger le pouvoir en abisso. Or, en protégeant le pouvoir, maintenant tout le monde commence à tirer drain à côté naé. Moutouna moutoua comme il koloba, il faut article 15, moutouna moutoua se débrouiller. Non, nous ne travaillons pas pour un pays. À ce moment où nous parlons aujourd'hui, tendance ces alli que tozo sale la moka mon côté. Et puis les Congolais connaissent ça. Congolais toyebi yango. Les lots Congolais, il faut to reconnaître que toyebi yango que système o eko komi sabiso nesika mon côté. O komona ba bilo konyo so toko banda ko sala ezaka ka koluka ko kokanga pouvoir. Ils ont kaka kokanga pouvoir, il fonga moko na sala boy. C'est ça qui explique les 1000 conseillers à la présidence de la République. Le président ne veut pas partager le pouvoir avec le peuple. À l'India, maté peuple, il y a moins la dictature qu'on s'imposait. Et tant que le peuple ne s'impliquera pas dans le développement de ce pays, ni kakata no kobanda kozala kaka. Et puis, to kobanda kaka kozala mingi mingi a kotriche babilo kotozo sala. Nous continuerons à tricher même les élections que nous organisons. Parce qu'il n'y a pas de normes. Les lots au Batunio sont tous comme Koloba, au président, Fati Beton, Fati Beton, Fati Beton, Fati Beton. Nous déifions un homme. Or, cet homme-là ne peut pas être un cantonnier. Nous devons comprendre que cet homme-là, c'est un Congolais, mais en lui, est-ce qu'il comprend vraiment que ce n'est pas que lui va passer. Mboka autobotique et la Kangona, nani. Akokoufa, Akokoubeta, Massa, c'est comme. Kabila Zala qui m'a bêta qui m'a ça c'est Joseph Kabila. Il peut partir aujourd'hui. Voyons ce que Kium nous a laissé. Regardez comment est-ce que nous sommes divisés. Est-ce que nous sommes un pays autoriko lobakeno, tozambo kamoko autokuiko aspirer à développement? Non. Nous cherchons toujours à élever des petits messieurs, tribalisme, baninouana, et kokotan, et où tu vois, pinakat, y a unitarisme, oyo. Et Kamba Kimbo Kanabiso pendant 60 ans. Il est grand temps c'est que nous puissions commencer à changer le mentalité. Yakoyeba Niniango vraiment Tozanango. Niniango wapi tozo kende. C'est là le grand problème. Biso toloba kiboy. Pour sortir de cette cercle infernal. Il y a la violence, il y a la corruption, il y a la il faut commencer à asseoir le pouvoir à la base. Pour que base et yéba, nous sommes ici en Afrique du Sud. Vous êtes là. Les lots awa, Afrique du Sud, les accords se préparent à l'élection municipale. C'est-à-dire que la base va s'exprimer. Banane yango ba koza la banane. Et les partis politiques vont s'enregistrer. Babilo kwa nezo sale manakietide. Et ça, les mapenza na quiétude. Bien que bazana va problème na bango, mais comparativement à Chebiso, où les élections municipales n'ont jamais été organisées, bah élection en atoye bien ils à la caninité, on ne sait pas. Tokoki ko administrateur de territoire na biso tokoye bien ndengenini. Tout ça, imagine-toi qu'il est en train d'être administrateur de territoire, sont nommés par le président de la République. Vous comprenez vraiment que Tozana Musika, il est grand temps. Et c'est comme ça que nous appelons que le président de la République aujourd'hui,
Ce qui a continué quand il a s'entêté. Maintenant, la question, c'est ce qui se passe, c'est qu'on se demande, est-ce que c'est lui? Est-ce que ça va tomber dans l'entourage? Est-ce que c'est sa tribu qui ne veut pas perdre le pouvoir en se disant que Bisso est attendu, Bisso, parce que c'est le discours que nous apprenons aux gens. Batoyo, Bazo Kamba, Mboka Oyo. Okoyoka discours na bango balobite, Oyo est attendu, Bisso a colia, attendu, Bisso a colia. C'est comme si les Congolais pensent que Mboka Oyo est aussi la kaka na mabumu na bango. Nous avons un pays à construire. Recommandation na Bisso est anini pour na tosi de émission à l'élo. Et ça kaka un peu réflexion. Naboyoka par politicien auto bota boyoka ki babna na biso. Nous avions dit ceci. Nous avons 26 territoires, 26 provinces. Nous avons 145 territoires. Nous pouvons appeler les conférences, les états de lieu des territoires. Dans chaque territoire, batuba kende kovanda kuna ba yeba nini yango ils peuvent s'organiser. Qu'est-ce qui se passe? La conférence à la territoire, nous avons un document que nous avions préparé que, qui veut l'entendre. Mutu o alingi peto kote ndele document o ya préparation ya ba conférence de ya banani ba état de lieu à la territoire. O eko préparer population à la base, bazala na conscience à koloba. Mboka o eza ya mutu msusu te. Mboka o eza mboka na biso. Na territoire na biso toza na ABCD, territoire na biso toza na hôpital, territoire na biso toza na prison, territoire na biso toza na bureau administration, toza boy. Il faut que na territoire batuba, nous avons tous des intellectuels. Il faut que la population base à la conscience. Qu'est-ce que nous voulons dans 5 ans? Ba programme na biso tolingi nini. Comment nous allons travailler pendant 5 ans pour que territoire na biso ait quitté na A pour akoma na B? Comment nous allons commencer à faire les évaluations? Comment nous allons commencer à contrôler nos finances? Batuni yango bakosala. Nous avons besoin de quoi? Nous avons... Ça, ce sont les questions que l'état de lieu à territoire devront se poser. Nous sommes à combien? Et lorsque nous lancerons les états de lieu de territoire directement aussi, programme un recensement, na identification, yabatunakati à territoire, wana, et ça l'a lancé. Dès que nous terminons à avoir ces documents-là, chaque territoire devra dire que non, bon, voici, Batou Oyo, ba comité, il y a Bakosala na identification, il y a Batrubi, il y a Batounim, il y a Ngobaza Ao. Comme ça, ba résolution, on a évoqué dans la province. Quand il y a la province, tant que la résolution est cause à la réunie, na Batou Baouti, côté où il y a le territoire, Batinda Mikuna, ceux qui sont à la 20, ceux qui sont à la 30, ata 50 ba vandi ba compiler ba sali nyonso ekeyi sikoyo na gouvernement central kuna nde ba twana nde tozo koloba awa renouvellement ya classe politique ya solo ekobanda wana. C'est là notre chemin, chemin na biso yango wana, chemin na biso yango wana pour que to banda république 4e république que nous sommes en train de prôner ici par la révision de la constitution qui sera l'émanation il y a aspiration il y a peuple et outil na ba conférence ba état de lieu il y a ba territoire chaque territoire a comme ça la ka programme na e il y a ko élire ba tout comme ça les gens seront en confiance ba na ngo ba kozala comment est-ce que c'est ça un principe là ko il y a ko bâtir mboka na biso mais ceux qui toza ko landa ka ka ok to construire boy to tonga mboka boy to tonga ba pont et ko simba kate parce que to réussir nanu ko vandisa congolais te ayeba problème na ye eza wapi to réussir amu nanu te. Voilà, c'est là où nous allons terminer par là pour aujourd'hui en vous invitant à ne pas manquer l'émission de demain que nous parlerons sur l'état de siège parce que ba cacophonie est belé entre mokonzi premier ministre Tangwa Utikunana la réalité sur le terrain. Na makambwaza ko déclaré, on se pose la question si il azobanga ou bien quoi que ce soit. Est-ce qu'il est responsable? Peut-il prendre vraiment des mesures contre Batou Oyo Bazako ko piétiner même la paix na est? Parce qu'il y a des révélations Bandeko Oyo Bazako, ça la passe. Ne manquez pas l'émission de demain. Encore une fois de plus, je vous demanderai si vous aviez aimé cette émission, faites un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous nombreux.
partager nos émissions. Nous avons besoin pour que l'émission Nabiso et Kendeliboso. En tout cas, portez-vous bien. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir.